Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société et écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique épisode 2 du jeu Woodcraft. Alors si vous êtes là, vous voulez voir jusqu'à quel point je vais probablement faire un très mauvais score. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça avant de commencer mon enregistrement, mais j'étais trop excité de commencer. De faire la suite. Woodcraft, j'avais fait combien de points dans ma première partie? J'avais fait 52 points. Et je pense que dans le livret d'instruction, c'est écrit que faire une très bonne partie, d'après ce que je peux voir ici, là, si je regarde pour le solo, c'est 110 points. Donc, on n'est pas sûr que 110 points sont un bon résultat pour le jeu solo et que 140 est un excellent résultat. Écoutez bien, je ne sais pas jusqu'à quel point je vais réussir ça, mais voici l'état du plateau. Et j'avais dit que peut-être que ce serait le temps d'aller me chercher un nouvel assistant. Ça pourrait peut-être être intéressant. En passant, j'ai oublié tantôt, quand je dis tantôt, vous autres, ça fait peut-être plusieurs jours, là. Mais mon assistant ici, à chaque fois que je me faisais un point, que je m'avance ici sur la piste, ça me donne une myrtille. Je ne l'ai pas faite. Okay? Donc, oui, je vais encore me revenir en arrière, puis je vais m'en donner deux. Okay? Parce que je suis rendu à deux ici. Et ça peut quand même avoir un impact important. Puis, l'autre affaire aussi que je vais faire en direct avec vous, c'est plus par rapport à cette fameuse... façon de placer les choses qui sont ici. Chaque fois que vous obtenez un outil, au début de la partie, seules les cases de la rangée du bas sont disponibles. Si vous avez rempli deux cases adjacentes de la rangée du bas, la case située au-dessus devient disponible. OK? De même, une case de la rangée supérieure ne devient disponible que lorsque deux cases de la rangée du milieu situées en dessous ont été remplies. OK, donc là, les seules exceptions à cette règle, bon, c'est la construction de la pyramide qui est en haut, d'après ce que je peux voir, mais je pense pas que je vais me rendre jusque-là. On verra ça. Sauf que, qu'est-ce qui arrive avec les bonus? C'est juste ça que je me pose. Vous recevez une clé dans l'air, vous devez la placer immédiatement. Vous pourriez la placer dans n'importe quel cas. Une seule case de la rangée. Deuxième rangée disponible, vous placez donc la clé. La clé anglaise est différente. La récompense indiquée entre les deux. Gagner la production d'un de vos assistants. OK, donc, si j'en place un, je vais gagner les deux qui sont là. Donc, en bas, c'est ça. Puis quand je le place en haut, OK, c'est une autre façon d'arranger les choses, mais ça ne m'aide pas plus sur ce que je désire faire. Je trouve que l'histoire de coller, ça serait peut-être pas si mal. Là, j'ai ça ici à accomplir. Ça serait peut-être bon aussi que je réussisse à repartir peut-être une production. Ça serait bon d'avoir une production de plus d'un. De plus, si je réussissais à mettre celui-là, ça me coûte 5. Je pourrais planter deux arbres après ça. Ça pourrait peut-être m'aider. Si je fais ça. Ah, je pense que j'ai envie de le faire. OK. Mais si je fais ça, ça veut dire que je dois aller prendre lui qui me donne absolument aucun bonus. Et là, je fais ça de même et je vais l'installer là. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Le jeu fonctionne de cette façon-là. Et là, je vais payer 5 parce que j'ai ce qu'il me faut ici. Donc, je vais payer 5 et je vais aller placer mon dernier pot. Et le pot va me permettre d'avancer de 1 sur la piste de revenus de points. Et je vous rappelle que je peux mettre un arbre de niveau 1 dessus. Et là, je pourrais quand même pas pire faire quelque chose par la suite. Mais là, est-ce que je peux faire de quoi là? Non. Je peux faire quelque chose, là. Non. Donc, dans le fond, je peux absolument rien faire. C'est ça, tu as bien compris. Donc, ce que je peux faire, par contre, c'est faire ça ici. Et là, ça me coûte 4 pour m'avancer. Et je le fais.
Alors, ça me coûte 4. Et là, j'avance de 1, 2 et 3 points. Donc, je suis rendu ici maintenant à 21 points. Et là là! Ouais! Donc, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Alors, c'est vraiment la 9e carte que je vais prendre. Alors, pour cette 9e carte-là, si vous regardez comme il faut, on va déplacer celui-ci. On va aller le placer là. Et on va aller déplacer celui-ci pour aller le placer ici à côté, comme ça. Et je dois enlever le troisième assistant qui est juste là. Alors ça, c'est les nouveaux gros assistants. Et là, je dois les tasser pour les changer. OK. Alors là, on arrive ici. Alors en arrivant là, ce qui va se passer, c'est que je dois maintenant, donc aléatoirement, prendre une des cartes des bonus de fin de partie, si on pourrait appeler ça comme ça. Parce que l'automa va en prendre une. J'ai jusqu'à la fin de mon tour pour pouvoir l'égaliser. Alors, c'est celle-ci. Donc, ce que je fais, c'est que je mets le petit jeton dessus. Si à la fin de mon tour, je n'ai pas réussi à l'enlever, ou en tout cas, en en plaçant un dessus, il va l'enlever tout simplement. OK? Et vous voyez qu'il y en a un autre ici qui va peut-être enlever. Mais là, c'est à moi. Là, je dois augmenter mon arbre. Et là, j'ai envie de planter des arbres pour éventuellement peut-être faire quelque chose que de l'allure parce que j'ai plus d'argent. Puis, je pense que je suis un peu bloqué dans bien des affaires présentement. Mais, j'ai... Non, pas ça. C'est celui-là. Donc, je ramasse deux bonus. Je me ramasse une pièce en bonus à cause de ça, et je me ramasse une chute de bois. Et ensuite de ça, je l'amène ici, et je vais ramasser un autre dollar de bonus parce que je peux prendre seulement... J'ai un seul assistant. C'est pas la partie où je vais vous montrer ça. Et je vais planter, et là, je vous rappelle que je peux planter deux fois à cause de lui. Donc, je pense que je vais planter un 2 ici et un 2 là. Alors, on va essayer de se produire des arbres ici, là, pour que ça aille de l'allure. Et là, le pire, c'est que je pourrais prendre lui. Ah, je pourrais quasiment le réussir, celui-là. Ah, ça serait bon, ça. Non, je peux pas, parce que il va me manquer une chute de bois en faisant ça. Fait que je vais attendre. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave pour l'instant. OK, c'est pas grave. Vous comprenez mon principe. Ce qui veut dire que c'est la fin de mon 10e tour. Ça va... Ah, je sais pas. Hey, c'est incroyable. C'est sûr qu'on peut... Je peux utiliser des lames de scie pour prendre un 6 puis pouvoir le diviser, mais oh my God! C'est sûr que ça donne quand même 11$, 3 avancées. Ça serait quand même cool. Ça peut peut-être se faire. Ça peut peut-être se faire. On va peut-être essayer d'aller chercher celui-là au prochain tour. Mais là, c'est à lui. Donc là, il va avancer de 1 ici. On va le faire tout de suite. Et il va prendre lui, puis il va l'avancer. Là, c'est tout. Et là, on s'entend que c'était le dernier. Donc, je vais remélanger tout ça. Pour ce qui est de notre ami Automa. Qui, je vous rappelle encore une fois, c'est tellement une opportunité manquée de ce jeu-là, de ne pas avoir, donc c'est le 11e tour, c'est sur 14, hein, de pas avoir fait quelque chose de plus, je sais pas, d'avoir donné un automa qui permettait de faire des points, je pense que ça aurait été facile. Alors là, OK. OK. Là, je pense que j'ai plusieurs possibilités. Non, peut-être pas tant que ça, finalement. Je vais commencer par penser à mon action. Okay? Je pense que mon action que je veux faire, qui ne m'apportera pas tant d'avantages que ça, j'aurais aimé ça qu'elle m'en apporte plus, mais c'est d'aller me chercher des contrats. Alors, je vous rappelle que les contrats, donc je peux aller ici. Alors, ça va me donner une chute de bois.
Alors, je vais mettre une chute de bois. Et là, si encore une fois, vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que j'ai ça ici. Alors, c'est le seul avantage. Je vais l'avancer juste là. On voit qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et là... en fait, c'est pas ça. C'est ici que je vais montrer. Donc là, je peux choisir un seul ou deux. Et je dois vous avouer que je pense que ce qui serait le plus avantageux, ce serait probablement celui-là. Alors, je vais aller me chercher lui, que je vais mettre à la bonne place sur ma fiche. Est-ce que je vais m'en chercher un autre? Parce qu'oubliez pas que je peux tout de suite le changer. Oh, pas ça. Celui-là. Est-ce que je peux payer 3 pour aller m'en chercher un autre? Il n'est pas si pire, celui-là. Je pense que je vais payer 3 que j'ai. C'est tout ce qui me reste en passant. J'ai plus d'argent. Et je vais aller me chercher le cheval. Et je sais pas. C'est dangereux ce que je fais. Mais voilà. Mais là, je vais prendre lui. Alors, mon arbre. Je vais le scier en 4. Pas en 4, mais en numéro 4 et un numéro 1. C'est une mécanique qui est très intéressante. Et je vais accomplir ici. Donc, j'ai un 4, j'ai un 1 et j'ai deux chutes de bois. Alors, c'est accompli, c'est beau. J'ai réussi à faire un tiroir. Et mon tiroir me donne un rabot. Et le rabot, je vais aller, je pense, le placer ici, pourquoi pas. Et là, écoutez, si je vois bien ce qui est écrit là, ça veut dire que j'avance de 1 ici. Et là, il y a ça là, qui est là. Là, attendez, je ne suis pas sûr de ce qui arrive là. Puis ensuite, si j'ai bien compris, ça fait 1, 2, 3. Donc, j'avance de 3 parce que c'est écrit un 3. Fait que je pense que c'est ça. Et là, ici, j'ai traversé un milestone. Et quel est ce milestone que je viens de traverser, mesdames et messieurs? Parce que je ne l'ai pas traversé la première fois que j'ai joué. Ben, en fait, je ne l'ai jamais traversé encore. Alors, c'est écrit... OK, là, c'est à 4. Fin de piste. C'est pas la fin de piste que je veux savoir, moi. OK. Donc, chaque fois qu'un de vos marqueurs de revenus franchit cette ligne, vous gagnez un jeton outil de votre choix. Je te l'ai immédiatement à votre grenier. Bon, mais c'est un jeton outil de mon choix que je gagne là parce que j'ai traversé ça. Donc, de ce que je peux voir, j'en ai un autre ici. Je vais gagner une équerre. Et je pense que je vais placer l'équerre ici. Parce que je ne peux pas la placer là parce que les deux ne sont pas débloqués en dessous. Et en la plaçant ici, donc ça me permet de faire l'habileté qui est juste là, donc de me gagner une myrtille. Bon, c'est pas si pire. Et là, j'ai accompli ça. Et là, il ne faut pas oublier que je me fais également 4 points. Oh, attendez, là, 4 points. 1, 2, 3, 4. Et je me fais également 7 myrtilles. Donc, 5, 6 et 7. Alors, c'est très important d'accomplir des... Puis là, n'oubliez pas... Ah, mon Dieu, il était où? Il était là, je pense. Est-ce que je venais juste déplacer? Je suis perplexe. Ces deux-là, je viens juste déplacer. Mais je ne suis pas certain que ces deux-là étaient pas supposés d'être là. Là, je suis un peu perplexe par rapport à ça. Pourtant, j'ai tout fait mes changements. Parce que s'ils étaient là, on supposait d'être ici. C'est quand je les ai placés, ceux-là. Oh non, lui, je pense qu'il était là, c'est ça. C'est que lui, je l'ai placé... lui, ça, c'est un que j'ai placé à la fin. Puis lui, il était là.
OK, c'est ça. Donc, il ne me rapporte rien de plus. Alors, je le mets ici et c'est une autre de mes. Donc, je suis rendu quand même à 4. Mais si je veux faire plus de points en fin de partie, il faut que j'avance ça. Puis là, voyez-vous, j'ai la possibilité d'avancer de 6 points. Ça me prend un 4, un 2, un 4, un 2. Donc, ça me prendrait 2, 6. J'en ai 2 ici que je pourrais après ça scier. Je pense que c'est ça mon but. En tout cas, on va essayer. C'est sûr qu'on va essayer. C'est sûr, sûr, sûr. Bon, OK. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai toujours un peu peur d'avoir oublié. Fait que là, ça va. Donc là, c'est autour à mon ami parce que il n'y a pas rien d'autre que je peux vraiment faire. Alors, mon ami, si on regarde, il va avancer celui-là ici. Alors, ça va faire encore une fois bouger ça dans cette direction-là. Puis, il va aussi bouger celui-là. Il va aller le mettre juste là. Ça devient très avantageux. Et on va relancer ces 3 dés-là. Alors, on a perdu un 6 ici, mais c'est pas grave, il y en a toujours un sur le plateau. Il va probablement falloir que je me dépêche. Là, on arrive dans une phase déjà de revenus. Alors, on va suivre encore la même affaire. Donc, je dois malheureusement descendre tous mes contrats de 1. Je dois placer la dernière. Donc, la dernière, je la mets ici. Puis, n'oubliez pas que je perds des points. En passant, je perds ça ici. Je descends sur cette piste-là avant de comptabiliser mes points. Fait qu'il faut que je sois capable de me départir de ça avant la fin de la partie. Il ne me reste pas grand temps. Ouf! Ça, c'était pas le fun. En tout cas. Bref, alors j'ai placé. Ensuite, je vais me faire ici quand même 4 points. Donc, 1, 2, 3, 4 points. Et je m'en fais 3 myrtilles. Donc, ça, au moins, ça fait du bien. Ensuite, je retourne tous les jetons que j'ai utilisés. J'ai utilisé que ces jetons-là. Et il ne faut pas oublier que j'enlève ces deux estants-là. Les estants n'ont vraiment pas été sur quelque chose que j'ai vraiment focusé pendant ma partie. Et je dois enlever ensuite ces deux contrats-là. Pour aller en chercher deux autres. Mais là, je pense que j'en prendrai pas d'autres, honnêtement. Il faut vraiment réfléchir à ça avant d'arriver à la fin de la partie. Et là, voilà, on arrive à ma 12e et sur 14. Il m'en reste 3. Il faut que j'optimise. Et là, d'ailleurs, celui-là devient un 6. Il s'en va là. Celui-là devient un 6. Il s'en va là. Hey boy! Il y a ça ici qui est peut-être intéressant. Ah, ça, c'est peut-être très intéressant. Mais là, j'ai un 6 ici. Un 4. Je pourrais peut-être accomplir celui-là. Dépendamment de ce que je vais faire. Mais c'est sûr que lui, il m'aiderait grandement. Mais celui-là me permettrait peut-être d'aller me chercher mes 12 points. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir que je focus. Mais il reste quand même que si je prends celui-là qui est juste là, qui me permet de vendre un de mes dés au double du prix. Puis après ça, d'aller me chercher un 6 de n'importe quel. Puis moi, à cause que j'ai ça ici, ça va me coûter 2 de moins. Puis je vais me chercher un 6 vert. OK, on fait ça. Donc, je vais me chercher 2 chutes de bois. Et je vais aller me chercher... c'est quoi ça? Oh là, je ne sais pas c'est quoi ça. Attendez. Je pense que c'est... Je vais me chercher une tuile comme ça qui me permet donc de retourner une de mes tuiles pendant mon tour sans... passer par la... Bon, c'est bien quand même, là. Et je me fais également 3 points. Donc, 1, 2, 3, je suis rendu à 32 points. Je pense que je vais m'en faire quand même. Je vais peut-être battre mon record de la dernière fois. Et là, je vais aller le placer ici. Et je vais vendre, je pense, celui-là qui va me rapporter 2 fois 2 plus 2. Donc, 2, 4, 6. Ben, c'est fois 2 plus 2 parce que c'est un brun. Alors, il va me rapporter 6 myrtilles.
Donc là, j'ai quand même pas mal de myrtilles. Et je peux me prendre un 6 de la banque qui va me coûter 2 de moins à cause de ça ici. Alors qu'il va me coûter 4. Et c'est un verre, donc ça ne me coûte pas de supplémentaire. OK. Alors, moi, je vous dirais que je pense que je vais... Ah, je pourrais quasiment le réussir. Ah, je le réussis. Je rappelle que c'était à la fin du tour qu'il faut que j'ai. Il faut que je descende au nombre de dés. Donc, je pense que je vais utiliser ma scie pour séparer lui en 4 et un 2. Je vais prendre ma deuxième scie pour séparer lui en 4 et un 2. Et je vais, mesdames et messieurs, accomplir celui-là. Donc, j'ai 2, 4, 2, 2 et un 1. Ça me coûte cher. Mais je me fais 2 lanternes, ce qui va m'aider, je pense, dans mes choix pour mes 2 derniers tours. Et ça me fait 11 myrtilles. Et en plus de ça, je l'ai pris ici, donc j'avance de 2, 1, 2. Ce qui fait en sorte que maintenant, chacun de mes, chacune de mes contrats vont me valoir 2 points en fin de partie. Et c'est un autre contrat que j'ai réussi. Wow, ça c'était bien. Ça c'était très très bien même. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas focusé sur les... assistants qui donnent des habiletés spéciales. Ils donnent quelque chose, mais je pense qu'on peut pas tout faire dans ce jeu-là. C'est à peu près impossible. OK. Donc, justement, celui que je viens de prendre, donc lui, il va s'en aller là. Ensuite, l'assistant, ici, il va s'en aller là. Et ensuite, on va enlever le deuxième assistant. Alors là, Thomas vient de faire son tour. J'aime ça, mais là, ce que j'aime moins... Ah, attendez, j'ai... Ah oui, c'est ça, OK. Donc, ce que j'aime moins... Ah, en passant, celle-là, je dois l'enlever, hein, parce qu'elle ne compte plus, là, fait que je l'enlève de la partie. Vous pourriez le laisser dessus, mais là, OK, il faut vraiment... Moi, c'est le 12 points que je veux, donc là, j'essaie de pas trop réfléchir à ce que je fais... pour ne pas savoir lequel qui est le 12 points, lequel qui n'est pas le 12 points. Honnêtement, à force de parler comme ça, je peux vous avouer que j'ai aucune idée lequel est le 12 points, lequel qui n'est pas le 12 points. Et là, j'arrive et là, je dis que c'est lui et il va foutrement prendre le 12 points. Bon. Puis cela, c'est selon le nombre d'assistants. On s'entend que c'est pas là. Ça m'en prend 3 minimum. Ah, donc là, il faut que je réussisse celui-là avant la fin, pour pouvoir aller le chercher. Parce que, je vais juste aller voir dans le mode solo, ici. Là. Juste pour qu'on... Donc, ce contrat n'est plus disponible pour vous s'il n'y a pas de contrat non revendiqué. Alors, rien ne se passe, sauf que vous ne pouvez plus féliciter de les avoir revendiqués avant qu'ils ne disparaissent. Ah non, c'est fait. Donc, il n'est plus disponible. Donc, aussitôt qu'il est pigé, il n'est plus disponible. C'est terminé. Il ne me reste que celui-là. Donc, il faut quand même que j'essaie de faire ces trois-là. Je pense qu'il faut que je focus là-dessus. Pour les 2 derniers tours, je ne serai probablement pas capable de faire toute la gang. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je vais utiliser ce jeton-là pour pouvoir retourner une de mes scies. Mais là, waouh, je sais pas. Je suis pas sûr que je vais être capable de faire grand-chose. Faudrait que je sois au moins capable. Ah, mon Dieu, ça va être difficile. Là, je suis capable de faire celui-là au moins. Ils
Je serais peut-être capable de faire de quoi. OK. Si on va aller chercher celui-là, il faut que je sois capable d'aller m'acheter lui. Il me coûte 8. C'est faisable. Donc, il faut que j'aille prendre l'action où je peux acheter. Et c'est celui-ci. Celui-ci qui va donc me donner... J'avance de 1 ici sur la piste. Et n'oubliez pas... Ah, je pense que j'ai oublié, mais là, cette fois-ci, ça me donne une myrtille. Bon, mais là, j'ai oublié pour les autres fois. Et ça me donne 2 points à cause des bonus. Je rappelle encore une fois, c'est à cause des bonus qui sont là. Donc, je prends ça. Je vais l'amener là. Et je peux faire jusqu'à 2 achats. Et les 2 achats que je vais faire, je vais m'acheter celui-là qui va me coûter 8. Alors, 10 ici. Donc, il va me revenir un beau petit 2. L'argent, j'en ai quand même pas mal, au moins. Et donc, en passant, il faut que je le remplace par un 4. Mais je vais également aller me chercher le 2 qui est ici, qui va me coûter, dans le fond, 2. Parce que c'est un vert. Alors, je paye mes 2 qui sont juste là. Et là, on arrive là. Et là, oh là là! Je veux faire celui-là. Donc, je vais scier le 6 à un 4 et un 2. Ouais. Ah, mon Dieu, c'est parce que je ne serais pas capable de faire ça. Ça me prend 2, 1. J'ai oublié de changer celui-là. Là. Je veux juste revenir. Là. Donc ça, c'est un 4. Ah, il va être dur à faire, lui, mais je vais peut-être être capable de le faire au prochain tour. Mais je vais quand même perdre 4. C'est ça l'affaire. Moi, je serais capable de faire d'autres choses, mais je ne serais plus capable de scier. J'ai plus rien pour scier. Fait qu'il faut vraiment que j'aille me chercher 2-1, ça ne marchera pas. Ah non, ça ne marchera pas. À moins que... Attendez, c'est pas vrai. Je peux, si je veux... Ah, c'est collé ici. Mais j'ai pas la tuile collée. Je pourrais aller me chercher un 1. Mon Dieu. Ah, je ne peux pas scier. Je ne peux plus scier. Il faudrait que ce soit des petits chiffres. Je n'ai pas de petits chiffres. Donc, on oublie celui-là. Il faut que j'essaie d'en faire un des deux qui est là. Il est faisable. Lui, il est faisable. Pour mon dernier tour, mais je pense que je serais pas capable de faire grand chose d'autre, malheureusement. Fait que là, j'arrête. Attendez, là, j'ai peut-être scié ça pour rien. Là. Je vais remettre mon 6 là, que j'ai acheté. À moins que je fasse celui-là. Celui-là pourrait peut-être être intéressant. OK, ce serait un 6 puis un 5 avec une chute de bois. Il y a un 6 qui est là. Je serais prêt à en faire 2 autres. Je peux pas me défaire de... Ouais, OK, je peux pas rien faire d'autre. Je vais garder ça ici pour pouvoir peut-être scier, mais c'est tout. Ah, c'est vrai, j'ai ça ici. En passant, si j'avais une troisième lanterne, je pourrais faire un tour supplémentaire, mais j'en ai pas 3. Fait qu'on oublie ça. Bon, ben écoutez, c'est la vie, hein? C'est ça. Je peux pas rien faire. Man, c'est pas le fun. OK, donc celui-là, il va aller s'installer là. Il va avancer de 1 ici. C'est tout pour lui. Et c'est le dernier tour.
je vais encore aller m'acheter deux. On va voir ce qu'on peut faire, là. Donc, je vais utiliser une de mes lanternes. Donc, c'est sûr que je fais cette action-là. Mais le plus avantageux, je pense que ça va être celui-là. Donc, je prends lui pour faire cette action-là. Ce qui fait que je gagne 2 points. Et en plus des 2 points, je me gagne une scie. Ça va me donner peut-être des points en fin de partie, ça. Et je me fais 2 autres points à cause de ce qui est inscrit ici. Et là, je l'amène là. Mais je fais ça. Donc, je m'en achète un à 6. Donc, ça va me coûter 6. 5, 6. Donc, j'ai mes 6. Et là, je relance. Est-ce que je pourrais en faire un autre? Non. Je pense que je ne serais pas capable. Non. Mais non, je pense que je ne serai pas capable, malheureusement. Fait que je vais en acheter... Ah, et c'est là que je me rends compte que ça aurait peut-être été bien que je m'améliore ici pour en racheter deux. Beaucoup de choses à faire, mais c'est pas grave. Est-ce que je m'en achète un autre? Non, parce qu'il n'y a rien d'autre que je peux faire. Je vais en acheter juste un, c'est tout. Là, je vais utiliser ma scie pour transformer lui en 5 et 1. Donc, un 5 et un 1. Je vais accomplir donc celle-ci avec un 6, un 5 et une chute de bois. Alors, voilà qui est fait. Alors, c'est ce qui va me donner un râteau. Alors, le râteau, ce qui est le fun, c'est quand je vais le trouver. Où est le râteau? Alors, le râteau, je vais le mettre ici. Et là, il y a plein de combos. Donc là, j'ai une autre lanterne. Je me fais une pièce de plus en revenu. Et ici aussi, c'est deux différents. Donc, je me fais un point de réputation et un revenu supplémentaire aussi. Fait que ça, au moins, ça, je me suis avancé un peu plus. Et je me fais, faut pas oublier que je me fais quand même 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 points et 5 myrtilles. Voilà. Bon. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Ah, puis j'étais là. Donc je me fais une myrtille de plus aussi. Et là, j'ai avancé de 1, on s'entend, j'ai avancé de 1 ici. Donc, avec ça, je me fais une myrtille de plus. Je ne sais pas si c'est la bonne caméra, là, mais j'ai une myrtille de plus. Et là, est-ce que je peux faire d'autres choses avec ce qui me reste? J'ai un 6. Écoutez, si j'étais capable de le monter de 2, ça serait vraiment incroyable, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Je peux juste l'augmenter de 1. Parce que j'aurais pu réussir celui-là. Je n'ai pas assez pour faire ça. Fait que, ça va. Ça sera pas le fun. Alors, on va jouer le dernier tour qui est un peu illusoire de lui. Alors, on va faire ça. Il avance de 2, donc il prend celui-là. Et c'est. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Il enlèverait en plus celle-ci. Et là, on arrive à la fin. De la partie, mais avant la fin de la partie, on fait ça ici quand même. C'est important. Donc, je dois baisser de 1 quand même ça ici. Là, je n'ai pas en à rajouter, mais je me fais quand même 6 points supplémentaires. Ça, c'est quand même pas rien. Donc, 1, 2. Et là, je vais mettre sur le 50. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points supplémentaires. J'ai déjà dépassé mon nombre de points, et je me fais également un petit 3 myrtilles de plus. Voilà. Ensuite de ça, je retournerai ça de côté, puis là, ben, je tasserai tout ça, mais ça, on n'en aura pas besoin. Donc, voilà, mesdames et messieurs, il me reste maintenant à comptabiliser mes points pour savoir qu'est-ce qui arrive avec tout ça. Fait que, voilà, moi, il faut que j'aille manger. Donc, je vous reviens. Alors, je suis rendu maintenant à faire le décompte final. Mais le décompte final, c'est pas vraiment compliqué. Hein. Dans le fond, c'est les points que j'ai actuellement. Puis là, il faut que je marque les points indiqués sur les contrats publics. J'en ai pas fait de contrats publics.
Évidemment, comment on fait des contrats publics? Bien, on les fait surtout avec des commandes qui vont avoir cet indicateur-là ici. Là. Donc, ça me permet d'aller prendre un de mes contrats publics. J'en ai pas, donc je ne me ferai pas de points supplémentaires. Ensuite de ça, c'est écrit marqué des points pour les ressources restantes. C'est écrit additionner les valeurs de tous vos dés inutilisés. C'est bien écrit, additionner les valeurs de tous vos dés inutilisés, le total de vos myrtilles restantes et le nombre de vos jetons chute de bois, colle et lame de scie restants pour chaque série de 10 marquer un point. Fait que là, j'ai quand même, ici, si on regarde comme il faut, j'ai quand même 6, j'ai 7, 8, 9, 10. Donc déjà là, j'ai un point supplémentaire. Donc je vais me rajouter un point. Ça, c'est pas ça. Donc là, ici, si on voit, j'ai 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, je vais me faire un grand total de 2 points supplémentaires. Et là, c'est là la partie qui va me faire assez mal parce que pour chaque commande présente sur votre plateau, je dois perdre 2 réputations. Et là, si vous regardez, j'ai encore 2 commandes sur mon plateau. Donc, je vais perdre malheureusement 4, 1, 2, 3, 4 points de réputation. Ce qui fait que ça ici va me donner un seul point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de plus ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de plus. Puis voilà, c'est tout. C'est tout. Donc ce qui fait en sorte que je termine la partie avec un grand total de 62 points. 62 points. C'est ma quantité totale de points. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'allumer une de mes lumières. Vous voyez, c'est une autre journée. J'ai un autre chandail. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la vie de famille. Ça me fait en sorte que je suis obligé des fois de changer. Mais oui, le pire, c'est que j'enregistre ceci juste avant une zone du dimanche. Et je me rends compte que j'ai oublié d'allumer une lumière. Mais c'est pas grave, je vais finir ça comme quand même dans cette magnifique légère pénombre. Hein, 62 points, c'est quand même mieux que mon 52, je pense, que j'avais fait... la dernière fois. Je sais que je vous l'ai dit au début de l'épisode, là, mais je vais regarder exactement combien j'avais fait dans Woodcraft. J'avais fait 52 points, donc j'ai fait 10 points de plus. Et je vous rappelle que selon ce qui est écrit ici dans le livret, lorsqu'on joue une partie en solo, 110 points serait une super de bonne partie. Donc je viens de faire 10 points de plus que la dernière fois. Je pense que je ne me suis pas assez concentré dans les assistants. Écoutez, j'en ai même pas pris un seul. Mais on est tellement limité dans le nombre d'actions qu'on fait dans cette partie-là que l'optimisation est... mais j'en parlerai dans la première impression, mais c'est sûr que de mon côté, je dois vous avouer que je suis agréablement surpris par ce jeu-là. Je m'attendais pas à aimer ça, mais je pense que c'est le genre de jeu qui, en multijoueur, va être vraiment très cool parce que, bon, j'aurais pas la pression de dire que je suis vraiment en poche. Ben, j'ai pas fait 110 points. Mais je pense qu'il y a un apprentissage. Et ça, c'est quelque chose que peut-être que je devrais faire un top à un moment donné de jeux où on devient meilleur avec le temps. Mais en tout cas, bref, voilà, c'était la présentation d'une partie de Woodcraft. J'espère que vous avez découvert ce jeu-là et qui va vous intéresser. Je vous reviendrai avec une première impression. C'est important d'en parler de ce jeu-là. Mais voilà, alors, si j'ai fait des erreurs de règles, j'en suis vraiment désolé. Vous pouvez toujours me les mentionner dans les commentaires. Et bien, écoutez, d'ici la prochaine fois, ben, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Discord. Allez faire un petit tour chez mon commanditaire boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. D'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société et vivez dans la lumière comme moi. Mais en tout cas, et on se revoit très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.